Semaine de l'Europe, les projets mis en avant. Une exposition mettant en avant les différents projets financés par l'Union européenne dans des domaines variés s'est tenue aujourd'hui sur le parvis de l'hôtel de ville Anaïs. Une occasion pour l'ambassadeur de l'Union européenne de mettre en exergue la qualité des relations entre l'Union européenne et Madagascar. On avance bien. En effet, la coopération de Madagascar et de l'Union européenne, comme on a été remarqué l'année dernière, le dialogue télépolitique avec les présidents et la totalité du gouvernement avance bien. On considère qu'après les élections de 2018, avec la nouvelle stabilité politique et la légitimité du nouveau gouvernement, on est prêt à travailler pour renforcer au maximum notre coopération et pour permettre effectivement à Madagascar de récupérer les retards de développement qui étaient dus aux situations politiques des dernières décennies. Donc on est très confiant, on a un excellent niveau de communication avec le gouvernement, on l'a vu dans le moment du dialogue politique, on l'a vu hier, on a eu la table ronde économique, et donc la coopération, tous les projets que vous voyez ici autour, sont la preuve de la solidité des relations qui existent entre Madagascar et l'Union européenne. Adzou Anjenenarville, ministre de l'aménagement du territoire, de l'habitat et des travaux publics, est du même avis. L'Union européenne intervient sur la RN3, intervient sur la RN6, la RN13, la ROCAD ici, et plus d'autres projets en perspective. La poursuite de la RN13 et les institutions. Des conférences débats qui s'articulent autour des relations économiques entre l'Union européenne et Madagascar se tiendront demain à l'Ibis Nkourndjam.